de Gnawa, il nous baladera à travers les répertoires métissés du Chabi algérois et du Kabyle. D'ailleurs, on tient à vous informer qu'il est en cours de finalisation de son deuxième album qui sort bientôt. Alors, ce soir, nous verrons également se produire des artistes montréalais qui vous interpréteront une musique métissée entre Chabi, Gnawa, Flamenco et musique celtique. Ils rendront hommage à deux grands artistes kabyles, El Hasnaoui et Slimane Azam. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, j'accueille Hafid Jemaï. Merci. مرح بس لحبابك مرة الفراق نول الحزن في مليلي صغرة مرح بس لحبابك مرة الفراق نول الحزن في مليلي صغرة اروي السودي سفرة مرحبا غيث بغربا هل بذو الرحبا السودي سفرة المحين التربا حفظي تستفرة الهم العبا يصحب نغرا كيف كلمتنا حفظ جمال؟ نازل في الله معتكم صحة يغدي صارتنا كيني بوكسة الميتاسيون صوفي سوكي في كلتني ظن موريال Merci. Voilà, donc Hafez Jemaï, je suis ici dans le centre de la guerre mondiale, les meilleurs qui sont venus à l'Afrique, qui sont de Hitch de Ravahin Sliyin. Exactement. Voilà, c'est le Sagir, qui a l'ordre de Hitch à l'Ukhlidé, dans les guerres, qui sont venus à l'Ukhlidé, qui sont venus à l'Ukhlidé, qui sont venus à le château d'Aki de Montréal. Ouais. Qui sont venus à l'Ukhlidé, qui sont venus à l'Ukhlidé, qui sont venus à l'Ukhlidé, qui sont venus à Montréal, qui sont venus à l'Ukhlidé, qui sont venus à l'Ukhlidé. Tamdin Tahmel Amalih, j'adore Montréal depuis le premier jour que je l'ai découvert. Justement, il y a 3 ans, mais nous sommes Wahid Rabhin Inasliyan. Moi, j'ai toujours dit ça, depuis le jour où j'ai connu Montréal, j'aime beaucoup la mentalité montréalaise. Enfin bon, je ne sais pas pour vous qui vivez ici, j'en sais rien, mais moi qui viens de temps en temps, à chaque fois, je ne sens pas le temps passer, je viens passer 10 jours. Tout le monde est accueillant, tout le monde, je dis qu'ils ont une joie de vivre contagieuse. Dès que tu les vois, tu te sens heureuse de les voir heureux, tu vois. Donc et tout de suite, tu es dans la bonne ambiance et la bonne humeur. ربي غادي عيون غريب الطهولة هاد حلو الولا ونسيل مقرع مرحبا لحبابك مرة مرحبا لحبابك مرة مرحبا لحبابك مرة الفراق والحزن في مليلي تعبرا مرحبا لحبابك مرة مرحبا لحبابك مرة Merci et bienvenue encore une fois à tous. Voilà, c'était une chanson de bienvenue, Marhaba Slahbabak Mara, pour ceux qui ne comprennent pas donc notre langue, notre chère langue, le Kabyle. Donc, Marhaba Slahbab, c'est bienvenue à tous et à toutes. C'était une chanson de l'Hasnaoui. L'un de mes chanteurs préférés, que justement j'enchaînerai avec une chanson toujours de ce même auteur, en fait qui parle de l'exil au lendemain de l'indépendance.
C'était très contradictoire, mais c'était ça. J'ai pas mesuré vraiment la différence comme ça avant le Gharba de la Gharba quand on part de chez soi. De la Gharba, de toute façon, à Gharib, de l'Uni Gharba. D'un point A à un point B, le point A indique le lundi, il dit qu'il est voilà. Donc il partira toujours avec en bandoulière tous ses souvenirs, toute sa culture qu'il a, voilà, son enfance, son éducation et tout ça. Donc bon, maintenant, c'est vrai que France, ça fait, moi, ça, c'est ma 12e année en France. Elle est un peu différente là, par rapport à l'Arakaine, bien que vous soyez de plus en plus nombreux, la communauté, j'ai remarqué déjà il y a 3 ans, de Wessa, énormément, et parce que bon, à Tessahan et le Canada, ils disent les catégories. Et donc pour les Algériens, ils prennent des pour émigrer. C'est ce qu'on dit, moi je suis très content de voir justement comment vivent les Algériens ici au Canada. Je pense, parce que c'est un programme d'immigration effectivement bien bien calibré, c'est ce qui a permis peut-être une ascension sociale assez rapide donc des nouveaux arrivants et des immigrés, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Voilà le poids de l'histoire, le poids de Hachek et l'accueil, donc bon, c'est une immigration un petit peu plus... Bien sûr, bien que bon, ce n'est plus dans les années 70, non, ce n'est plus la même l'immigration en France, ça a changé. Les nouveaux arrivants sont beaucoup mieux pris en charge, et voilà, encadrés, et on leur donne leur chance. Enfin bon, Winnie Brana dit que Winnie dit ça, il y a une fashion qui dit ça, de toute façon, il y a fait. Voilà, il y a fait, exactement, c'est le mot. Voilà,
Eh ben, on est déjà dans la même salle que j'ai chanté il y a déjà 3 ans. On a partagé la scène avec Alabahin Salieh, mon ami Alabah. On est venu faire un spectacle il y a 3 ans. J'avais déjà découvert ce public. Et je ne te cache pas que le fait justement que nous avons dit que le château et une partie du public, je me suis senti dans mon élément, comme si franchement, donc j'ai pas eu vraiment l'impression de découvrir un public ou de m'adresser à. Voilà, donc. On a partagé cette soirée, c'était bien, Vraiment, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, je crois que tu vois tout, il y a un peu de bébé, de mal, je voudrais pas être très lent, je vais essayer juste je suis issu d'une famille de musiciens, c'est un groupe qui s'appelle Les Ferrer Djumaï. Qui existe depuis les années 70, plus exactement 74-75, l'orchestre. Je suis né en 73. Et le premier passage des Ferrer Djumaï déjà à la télévision algérienne à l'époque, c'était en 78. C'était le festival de la chanson Chabi, chanson populaire. Et il y avait l'Anka comme président du jury. Et les Ferrer Djumaï avaient eu le deuxième prix donc de ce festival-là. Et voilà, donc, et après, donc, et ça vient de mon père, bien sûr. J'ai mon grand-père aussi. Mon grand-père jouait de l'Fhal, de la flûte, donc c'est les années 30-40. Baba Ishir, il a un bonjour, l'instrument. Et c'est lui qui nous a mis dans le bain, bien sûr, à commencer par mes frères aînés, donc Mourad, Zahir, j'en passe, Nassar, Jamal, Athman, Abdelmour, voilà, on est une famille nombreuse comme toutes les familles post-indépendance. Et voilà, donc il y a un moment donné, la fin des années 80, là où il y a eu une pause, grâce ou à cause des études supérieures, parce que Aïtmik et moi-même, nous tous, on a fait des études supérieures. Donc, justement, les premiers, le Khan Mourad, Zahir, Jamal, qui sont partis à l'université. Et c'est avant, donc, parce qu'ils avaient commencé très très jeunes, les frères Djumaï. Donc, c'était au collège, lycéen, Langue Pugayit. Donc, ils se voyaient tout le temps, ils jouaient, c'était à la maison des jeunes, le théâtre, le conservatoire. C'était bon, il y avait une vie culturelle à Bougie dont ils faisaient partie et partie prenante. Bon, bah, les années 80, donc, avec les études supérieures, et on se voyait presque que qu'on était. Voilà, pratiquement, il n'y avait que l'été, on faisait les mariages de Thimarale ou Inekelka, c'était les seuls moments. Donc, il y avait un petit recul, voilà, une petite pause artistique, entre guillemets. Et il y a Abdelnour, juste celui qui vient de Sénégal. Abdelnour, il dit où ça n'a France quelques années avant moi. Il a, si tu veux, repris le continuer, il a porté à lui seul, à un moment donné, tout le poids de la musique des Ferrer Djumaï. Et moi aussi, et nous aussi, qui sommes restés en Gbegayt à l'époque, quand j'ai commencé à on a commencé à composer, parce que, donc à enregistrer, on a remis au goût du jour, au début des années 90, donc on a remis au goût du jour l'orchestre des Ferrer Djumaï. Et ça a continué comme ça, voilà. Kenil Hafid, je chante à mon nom aussi, je chante au nom des Ferrer Djumaï, quand c'est du Chaabi, quand c'est du Kabyle, le moderne, comme ça, avec d'autres scènes, généralement c'est moi-même Kenil. J'ai démarré un album en 2001, à mon nom, Hafid Djumaï. Ou des Ferrara partout, je l'avais fait avec un éditeur à Bougie. Il avait eu 10 000 exemplaires. Il n'a jamais eu
un deuxième tirage. Enfin, bref. Donc, passons tous ces méandres. Qui est en bas de 80. Non, oui, 2001. Alors, l'album né au CERD direct en France. الجزائر فتهول كل ونس يسدي علول قبل عمول يسول غلامي زون بلعون غلامي زون بلعون فودان قيم الجين ماوي عمر الحاش السوداوي ذويني سعان ونس دحنين الهم وولا عاش الهم وولا الهم وولا عاش الهم Gmido Serra, France, voilà, je continue à travailler, à chanter, à faire des scènes, à faire une. Mais je ne suis pas que chanteur, je suis aussi musicien, parce que c'est mon métier aussi, c'est ma vie, c'est ce que, de ça que je vis. Donc je joue aussi avec d'autres formations, avec d'autres chanteurs, j'ai accompagné plein de grands chanteurs d'Aguilar Nord, d'autres européens, entre autres, avec le français. J'ai eu pas mal d'expériences comme ça. Et tout ça, je me suis nourri de ces expériences-là, et qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine expérience, et qui me permet d'aller de l'avant, de composer, et ainsi de suite. J'espère justement, en ce moment même, je suis en train de finaliser. Il reste que de la technique du mixage et du mastering et quelqu'un, mais j'ai pratiquement fini mon album. Si je voilà, mais là, si tout va bien, si ça se passe comme je le souhaite, normalement d'ici à 2 mois, inchallah, ça fera le nouvel album exclusivement de composition. D'ailleurs, l'album s'appellera Thekveilin. En hommage à Thekveilin, et à travers Thekveilin, bien sûr, c'est la femme de manière générale. Donc, il y a des choses qui sont très Nasserine à l'époque, là, quand j'étais j'ai eu des expériences. J'ai travaillé pendant 4 ans Wahid Fleg. À l'époque, c'était en Algérie. J'étais Bazou au piano, Mkinim au Bonjo, et lui sur scène. On a fait Cocktail Kholotov et Babour l'Australie. On a tourné pendant 4 ans, on a été partout. C'était une très très bonne expérience pour moi aussi. Et justement, ça c'était une expérience avec. Justement, je me suis frotté un petit peu à la musique de théâtre aussi, parce que c'est un peu différent. Et Gmido Serra en France aussi, j'ai fait aussi des musiques de documentaires et des musiques de films. Avec Johannes Farr, qui a eu celui qui a réalisé Gainsbourg. Il a eu même un prix au Festival de Cannes. Et voilà, j'ai fait un film. Musique de film avec lui. Donc voilà, c'est des expériences comme ça, de la musique de documentaire, musique de film, musique. Tout ce qui est à la limite les musiques, je peux contribuer ou je peux ramener un petit plus, je suis preneur. Je refuse jamais parce que je ne calcule rien. Voilà, quand la musique me plaît, quand le projet me plaît, le personnage me plaît, voilà, je mets tout de côté, je m'investis à fond et je me donne à fond. Je n'ai aucun ego dans le sens où ouais, j'aimerais pas, il faudrait pas que je fasse ça parce que j'ai pas de plan de carrière. Peut-être ai-je tort, mais de toute façon, je suis heureux comme ça. يا مطعم سربي لكاي يا مطعم سربي لكاي يا مطعم سربي لكاي يا مطعم سربي لكاي
مطعم سر بلادي يا مطعم سر بلادي يا مطعم سر بلادي يا مطعم سر بلادي تبدل للروح اغلي دعشرة ظروح مسكينة الباغي يوغاها Donc, si on se fait Emir, donc, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça, de toute façon, avant la fin de l'année, l'album sera dans les bacs, Inch'Allah. Donc, si on se fait, est-ce que tu as l'air de se faire Je continuerai certainement toujours à dire oui quand c'est possible, quand j'ai pas une âme, mais. C'est vrai que depuis deux à trois ans, voilà, je m'occupe beaucoup plus de ma musique à moi. Je me dis qu'il est temps de faire ma musique. Voilà, je suis en train de le faire. Je donne beaucoup plus de temps à mes créations, à mes compositions. Non, il y a 10 titres. C'est de la fusion, il y a un peu de chabé, il y a de la touche chabé, il y a des sonorités aussi de nos jours, de modernes, et quelque cas. Donc c'est un album très équilibré, très varié, très éclectique. Merci beaucoup de cette invitation, merci de m'avoir permis de parler de mon album. J'espère qu'il sera au goût de tous les auditeurs et les auditrices qui le découvriront bientôt, Inch'Allah. Justement, en France, en Algérie aussi. Du Gaïf, Tézé Ouzou, Alger, bien sûr, tout le réseau, puisque c'est un album en Kabyle. J'ai un éditeur en Kabylie pour le sortir là-bas. Et en France, justement, j'essaierai, je suis en train de travailler pour que ça sorte. Disons le même jour, ouais. Peut-être pas le même jour, mais pas très très éloigné. Les dates ne doivent pas être très éloignées, genre à une semaine ou deux. Voilà, ça serait l'idéal. À des fois, comment ça, ou des fois, Gilzer. Justement, on dit qu'on a des liens à Montréal. À Diaw, Inch'Allah, parce que c'est le chien. Voilà, j'ai fait. Et nous, Gerzata, Mara, c'est le lien, donc لان عطاتي كي سنن بصح من لان عطاتي الفرحان اللي دفاني ونوش نايا كنيا اللي ثني شهرين اللي ولان الفنز ديين داكي دي مونريال يعطيك الصحه السلام عليكم نعم ديال الديلوان والسلام عطات الله راه دوغا دوغا Nous on a même promis, même Wahid Akhlin, parce que voilà, on voulait bien que Thamara Tajba ou Nkrina Tajba, mais on se dit que je pense qu'il faudrait qu'on n'aille pour refaire ce show avec beaucoup plus de partage, donc on l'espère. Voilà. Merci. I'm
وظيفة عزيزة في الدنيا كل شادي فوق مولاني وشتي ساعة البنكار الفيرة قلبو الحزمير منو الهم ذي الغفار اما تروح هذا اذا شتي قرانا يغلي هذا فردو سيقرا هيا كشي سلسة باليس اول ما اصفر قاستو الفارس هم زيت عزيز في الدنيا كل شادي فوتي دابا كي خدم دابا كان غير بزاف ضد الغلاس ولد تنادي في الكريم كان غير بلا مدرياس عم تروح هذا بلا شو ندير انا اول ناس مرغا ستسود الفارس ثم صيف عسيست ذي الدنيا كل شادي كور هيك شيش سلسة باليست اول ناس مرغا ستسود الفارس ثم صيف عسيست ذي الدنيا كل شادي Merci.